La montée des couleurs ce lundi matin à IAM, Institut africain de management. Cet acte marque la rentrée 2018-2019 de la grande école. Après quelques mois de vacances, les étudiants sont de retour au sein du campus. Et c'est en grand nombre qu'ils ont effectué le déplacement pour ce premier jour de la rentrée. Parmi eux, IAM a séduit certains. Ils sont nouveaux à l'école. Ce qui m'a motivé le plus, c'est que c'est l'excellence que IAM cultive. C'est ça qui m'a plus motivé. Et puis, l'endroit de IAM est apte. Ces nouveaux étudiants ont été accueillis par des anciens. La tête bien pleine. Eux, ce sont les majeurs de promotion de l'année dernière. La différence ici et les autres universités, c'est que nous avons tout ce qu'il faut, les enseignants qu'il faut, les enseignants dévoués à leur tâche. C'est surtout cela qui nous aide beaucoup. Les étudiants de IAM font la fierté de l'école dans les entreprises. Il est le président du conseil scientifique. Je suis plus que satisfait parce que Stéphane, qui est avec moi en ce moment, il est presque tout. Stéphane est très poli, il est disponible et puis il est visionnaire. Dans une entreprise aujourd'hui, tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui sont disponibles, qui ont la vision pour pouvoir booster le business. Et il fait tout ça pour moi. Donc du coup, aujourd'hui, je suis satisfait d'être passé à IAM, d'avoir un agent qui est venu de l'école IAM. IAM place cette rentrée 2018-2019 sous le signe de la consolidation des acquis. On continue à améliorer la formation dispensée aux étudiants, continuer à faire venir des anciens à travers le monde, introduire de nouveaux programmes en phase avec la demande du marché, améliorer le cadre d'études des étudiants et surtout opérationnaliser le fonds de 100 millions parce que ça a été lancé avec Coris Bank. Nous voulons que cette année, les premiers étudiants puissent bénéficier de ce fonds et entreprendre. Les responsables de l'école, après avoir prodigué des conseils aux étudiants, ont remis des cadeaux, des tablettes et ordinateurs aux majors de la promotion 2017-2018. Fini donc les vacances, place maintenant au travail.